Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture. J'ai mis le micro parce qu'il y a du vent. Je me mets face au, enfin, dos au vent. Alors j'espère qu'on va bien m'entendre. Si c'est le cas, s'il y a trop de vent, je vais me mettre dans la voiture, ça va être mieux. Du coup, comme vous l'avez pu l'entendre, c'est une nouvelle voiture que j'ai pas achetée, hein, c'est juste une nouvelle voiture. Et je vous fais pas attendre plus longtemps, je vous la fais voir tout de suite. Et là voilà. Peugeot 208. Alors du coup c'est pas la nouvelle, mais voilà, c'est celle-là, l'ancienne phase, mais la nouvelle arrivera peut-être. GT Line 110 chevaux. Alors je vous fais le tour vite fait, je vous explique en gros vite fait ce qu'il y a dessus. Et voilà, comme on voit là, alors là c'est du plastique, on le voit bien, et là c'est du plastique laqué noir comme là tout autour. J'espère qu'on va bien entendre avec le micro que j'ai, parce que si j'avais pas mis le micro, on aurait encore moins entendu. Mais du coup, ouais, j'espère bien. Du coup, là aussi, tout autour, c'est du laqué noir. Un Peugeot en rouge, comme voilà. Toutes les petites traits en rouge. Je trouve que ça fait joli comme ça. Et voilà, tout autour. Le petit sigle GT Line ici. Le petit lion. Je vous fais le tour rapidement. Hein. Histoire de dire de la présenter vite fait quoi. Bon, j'ai coupé la vidéo pour écouter si on entend vraiment le vent. On l'entend un peu quand même, mais on entend quand même ma voix. Alors, du coup, vous allez entendre ce que je dis quand même. Alors, du coup, je disais les belles jantes. J'adore ces jantes là. Ça fait un peu sport avec le détail en rouge qu'il y a là. Ça fait archi bien, je trouve. J'aime bien. Voilà, biton, enfin couleur noire et chrome. Ils sont archi belles comme ça. Voilà, on retrouve le sigle GT Line ici. Les coques de rétro en noir laqué comme devant. Comme on retrouve ici, comme je vous ai fait voir. J'essaye de me mettre dos au vent comme ça. On n'entend pas trop le vent. Voilà. Là, tout autour, des baguettes de chrome qu'on voit tout autour de la voiture. En fait, c'est de 208 là, ça fait en fait ça fait ouais GT Line quoi, un peu sport quoi. Je vous fais le tour vite fait, après on fera un tour à l'intérieur. Jantes. Alors les feux, ils sont comme ça. Moi, je trouve ça super joli, les trois bandes comme ça. Ah, attendez, il y a une voiture qui passe. Ah. Non, un camion, on va le laisser passer. Alors, je disais le sigle 208 ici. La plaque full car TV, mon copain. Le logo Peugeot, comme on voit devant, je trouve que ça fait archi bien. En rouge et chrome, comme ça. La petite bande là-haut de feu. Petit en bas, le diffuseur en bas, c'est en plastique. Ça fait bien, je trouve, ça se marie bien avec la voiture. Vous voyez, le petit échappement qui ressort, qui ressort un peu, ça fait sport. Waouh, c'est incroyable. Voilà, le petit GT Line, comme on voit ici, comme on voit tout autour de la voiture. Voilà, je vous fais voir un peu de loin. J'espère que vous voyez bien et que le vent ne casse pas trop les oreilles. Parce que moi, du coup, j'ai mis la capuche. Parce que avec le ZEF on a froid à la tête. Voilà, l'extérieur vite fait, hein. Comme ça, voilà. On va passer à l'intérieur. On va se réchauffer un peu à l'intérieur. Alors, du coup, quand on ouvre la porte, on voit directement ça. C'est archi beau, je trouve. Pareil, laqué noir avec la liserée rouge là, du cuir avec surpiqûre rouge, c'est beau. Voilà, là du plastique, là c'est du plastique tout autour, vous voyez bien. Là dans la portière il y a un trésor, ça c'est à moi, je le mets dans ma poche, merci. C'est beau. Là c'est du ouais, du coup de l'alu ou un truc comme ça. Le sigle Peugeot. Ça fait archi bien, je trouve. Sur toutes les voitures, j'ai toujours aimé. Tissu cuir, comme on voit, sur piqûre rouge.
Ça fait à moitié sport, je kiffe trop. Là, ça fait semi-baqué. On est archi bien maintenu dedans, je vais vous faire voir juste après. Du coup, voilà, je vais monter dans la voiture pour qu'on va mieux s'entendre. Je vais reculer un peu le siège pour vous parler du volant que j'adore, que je suis archi fan. Le volant, voilà, cuir, surpiqûre rouge tout autour, comme on voit. Je suis archi fan, ça fait sport. Comme les Lamborghini Huracan, que je suis fan inconditionné. Ça fait un coup, et même les Audi R8, ça fait couper un peu en dessous. Il n'est pas rond. Enfin oui, il est rond, mais coupé en dessous. Et ça fait archi bien. Il est archi pour la main. Enfin, comment dire. La tenue de main, en gros. Bah, elle est bien. Voilà. J'ai pas d'autres trucs à dire dessus. Bah ouais, là c'est du à chaque fois c'est couleur alu quoi, ça fait beau. Bon, j'ai sorti les Balenciaga de travail. Voilà, maintenant on va tourner sur le compteur. Là, pareil, alu. Oh, je pense que ça se dit ça comme ça. Le compteur, il est comme ça tout autour. On voit tout le jusque là. Le laquais noir avec une forme comme on voit ici. Voilà, il se passe comme ça. Après, quand on démarre, si vous voulez, la clé est dans ma poche. La clé se présente comme ça. Là, je vous la fais voir tout de suite. Ça, c'est porte-clé. Attendez, voilà. La clé se présente comme ça. Hein, elle est basique hein. Voilà, ou fermer, ouvrir la lumière pour la trouver dans la nuit si vous cherchez votre voiture et. Voilà, démarrer. Attendez, je regarde la caméra, puis je regarde pas ce que je fais, je vais faire de la merde. Du coup, ça se présente comme ça. Voilà, comme ça, vous avez tous les voyants là-bas. Les aiguilles tournent comme ça. Après, allez, démarrer. Alors, je vais pas vous faire écouter le son de l'extérieur parce que ça sert un peu à rien. C'est pas un bruit exceptionnel. Et voilà, quoi, ça sert un peu à rien, je pense. C'est un 110 chevaux, ça marche très bien. Le petit rappel qu'on voit ici du gris, enfin de l'aluminium, ça fait archi bien en fait. En fait, ça fait tout le laquais noir. On arrive là-bas, ça fait gris. Enfin, c'est un petit détail, tout bête, mais moi j'aime bien. Voilà. Alors du coup là, on arrive sur le GPS. Alors, on a tout. Hein. On a le menu. Vous faire voir vite fait, histoire de dire. Ah là, on a radio. Je vous fais voir. Hein, et, voilà. Là, la navigation. Voilà. On a les réglages. Bon, je vais pas tout vous faire voir, hein, mais c'est histoire de dire. Voilà, vous avez tous les profils. Vous pouvez rajouter des profils 1. Tais-toi la musique, sinon je vais me faire emmerder. Voilà, ça on s'en fout. Voilà, profil 2, vous pouvez mettre donc votre nom, l'heure. Parce que là, l'heure, elle n'est pas réglée du tout. Il n'est pas 5 h quand même. Voilà, véhicule. Du coup, vous avez tout. Vous avez reset détection gonflage, anti-patinage, là il est activé. Réglage vitesse mémorisé, voilà. Voilà, histoire de dire. Ça c'est la radio, l'USB, etc., etc. Voilà, pour le GPS. Là, les bouches d'aération, toujours le laquais autour. Là par contre, c'est comme je vous disais tout à l'heure en gris, alu. Là, tout ce qui est warning, fermer la voiture, le chauffage, etc. Vous connaissez la musique, quoi. Petit rangement, tu peux mettre deux gobelets qui s'enlèvent, bien évidemment. Là, si tu veux pas vraiment les gobelets, t'enlèves, puis tu as ça, tu mets dans le coffre. Truc USB, allume-cigare, comme on voit ici. Un petit rangement qui sert pour les clés, ou si tu as d'autres clés d'une autre voiture, etc., etc. Voilà, ça avec l'alu qu'on retrouve sur les côtés. Du coup, voilà, surpiqûre, si le machin il est en cuir. Le frein à main, c'est tout bête, hein, mais le frein à main, je trouve il est archi bien. On voit le. Attends, je vais appuyer sur le frein parce que. Ah, désolé, j'ai un vieux pull, mais c'est mon pull de travail. Je fais ça, un ami m'a prêté sa voiture. Je filme sa voiture. Sur mes temps de travail, voilà, il m'a prêté sa voiture, il m'a dit, est-ce que tu veux filmer ma voiture?
Entre-temps, j'ai dit ouais, vas-y si tu veux. Et bah voilà, il me l'a prêté, j'ai fait ce que j'ai à faire, enfin je fais ce que j'ai à faire, puis après je vais y rendre. Voilà, c'est histoire de dire, en gros. Du coup, frein à main, comme on revoit le gris alu, le cuir sur piqué rouge, ça fait un peu sport, en gros, comme je dis de tout à l'heure, que ça fait un. Et voilà, si vous voulez voir une belle vue avec le panneau de porte et le siège, tissu cuir, comme j'ai dit, voilà. Là c'est baqué franchement, regardez, attendez je vais redresser un peu le siège, je vais prendre, je sais pas comment faire, avec les deux mains, ça va être compliqué, là vous avez la manette là, non trop droit, dommage, voilà franchement, on est, enfin moi je suis maigre, alors je sais pas, tu sais je ballotte un peu dans le siège, mais comment dire, ceux qui sont normaux, ils sont bien calés dans le siège, on est, comme je sais pas si vous voyez là, vous êtes bien calé dans le siège et voilà, quand vous bougez pas, quand vous roulez, tout ça. Voilà. Alors du coup, on est sur devant. Je vais l'arrêter la voiture. Parce que on remarque que je vais vous faire voir les différents trucs qu'on a avec les boutons qu'il y a ici. Bon, après, il y a les feux ou les commodos, vous connaissez, hein, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Voilà. Veuillez parler après le bip. Non, madame, je veux pas parler. Salut. Bah du coup, je ne sais pas comment on fait. Bon, bref, je vais l'éteindre. On va passer à l'arrière, du coup je vais être obligé de retourner dehors, je suis désolé. Enfin qu'il va pas y avoir trop de vent, on va pas l'entendre. Je kiffe trop le laqué noir comme ça. C'est pas du laqué noir, c'est du piano black pour les puristes. Voilà, après là-haut, hein, par soleil, tu vois, tu connais. Tu vois ma vieille gueule. Ouh! Là-haut, la lumière, SOS. Ma famille a besoin d'aide. Voilà, ça, je pense que c'est une assistance aussi, lumière, qui marche pas. Voilà, tu connais, elle marche pas parce qu'il n'y a pas le contact. Oh, j'ai rangé la clé, flemme. Voilà. Oh. Tu connais mon copain, tu connais la musique. Petite boîte à gants du sénateur. Là, le petit carnet d'utilisation, je vous fais pas voir, ça sert à rien. Un petit rangement. Voilà, mon copain. Là aussi, je vous ai pas dit aussi, c'est comme ici en fait. En fait, on en a deux. Si t'as des passagers à l'arrière qui mettent leurs boissons de tout type, là, voilà. On va passer dehors. Ah, dehors, derrière. Désolé pour le vent. Ah, du coup, merde, merde. Oh, j'ai avancé le siège à fond, l'arbalou, pour te faire voir le moteur, le volant. Du coup, on a plus de place à l'arrière. S'il y a des gens qui me regardent, parce qu'il y a des maisons autour. Mais s'il y a des gens qui me regardent, mon copain, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'il fait lui? Ce gitan, il vole l'auto. Voilà, hein, comme à l'avant, sur piqûre. Ok, je vais monter dans la voiture parce qu'avec le vent. Du coup, bah, j'ai gardé les écouteurs quand même, parce que pour mieux m'entendre quand même. À l'arrière, on a de la place. Enfin, de la place, je sais pas si tu vois. La balle bite. Voilà, du coup, tu peux checker ton copain. À l'avant, tu peux mettre une claque à l'autre. C'est complètement con. Mais... Du coup, voilà. Ouais, t'as de la place. Hein. Franchement, c'est une. Ouais, c'est une 5 places. Bah ouais, parce qu'il y a la putette puis la ceinture. Je sais pas si t'as vu, mon copain. Du coup, ouais, voilà, il y a 5 places. Tu peux mettre. Bah, personnellement, cette voiture-là, je trouve, elle est archi bien pour débuter. Tu sais, pour quand tu viens d'avoir ton permis, t'es un peu flaming et tout, t'as pas trop de budget, parce que bah, je sais pas c'est quoi le prix, mais sur ma chaîne on parle jamais prix. Enfin bref, perso pour débuter ça doit être cool. Franchement, t'as un petit budget, ça va, t'es pas riche non plus, mais après c'est qu'une GT Line, hein, puis c'est les anciens modèles. Après, peut-être si vous aimez ces vidéos-là, je vous ferai voir les nouveaux modèles. Bien évidemment, on essaiera de trouver un pote à moi qui aura ce modèle-là, les nouveaux modèles, quoi. Et du coup, voilà. Ouais, bah ouais, hein, c'est idéal pour nouveau jeune permis. Regardez. T'as pas trop de place, c'est pas un SUV, c'est pas un gros modèle. Mes vieux choux, là. Oh là 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 là. Ouais, Par contre, ouais, partir en vacances à 5 là-dedans, oh non, 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 à 4, ouais, mais faut pas 3 valises, 4 valises, tu vois.
Parce que sinon, c'est l'enfer. Oh, parce que sinon, voilà, t'as de la place quand même, mais faut pas abuser. Regardez, le siège, je pense qu'il est. Allez, ouais, il est rabattu à la. Il est reculé à fond, et voilà quoi. Voilà quoi. Voilà, il me faut de l'espace, laisse-moi respirer, Narvalo. Voilà. Alors, du coup, on revient quand même à la voiture. Bon, ça change pas, hein. C'est pareil que devant. Par contre, ils seront pas baqués, ils seront pas, les sièges sont pas baqués à l'arrière. Tu connais la maison. Voilà. On a fait le tour. Ouais, le ciel de toit, du tissu. Hein. Moi, j'aime pas les cils de toit. On va aller dehors, mon copain. Eh oui, faut affronter le vent. Du coup, voilà, on va vous faire voir le coffre. Alors, je vais vous faire voir le coffre parce que je suis tout seul. Voilà. Hein. Car TV, tu connais. Bim. Ah, il n'est pas automatique. Il s'ouvre pas tout seul, mais c'est un petit bouton. Voilà, tu connais. Oh, dans le coffre, t'as pas énormément de place. Mais tu peux en mettre quand même. Tu peux mettre deux, trois petites valises. Voilà, c'est un coffre. Hein. Plage arrière, tu connais. Bim. Là, petit rangement, j'ai mis mon petit bordel pour cacher les plaques. La roue de secours, le petit kit. Bim. Petit tissu là, bas. Et voilà. Bon, c'est histoire de dire vite fait, hein, parce que je vais s'attarder à l'intérieur. Je vais vous faire voir le capot moteur. Ya. Le moteur V12. J'ai peut-être enlevé la clé, parce que j'ai enlevé la clé. Voilà. Ah, une petite tirette que à chaque fois j'ai trouvée. Ah, attendez, ça va être compliqué. J'ai posé le téléphone, il a failli tomber. Moteur. Petit turbal, il est où? Il est là. Mama, le petit turbo, c'est mort. Voilà, niveau moteur, vite fait. Le plus, voilà, je sais pas, c'est mal mis. Je vais pas forcer, sinon je vais le casser. Ça, petite moumoute. Je vais cacher un peu le moteur, comme tous les moteurs. Voilà, je vais voir vite fait. Hein. Niveau moteur, je m'y connais pas trop, mais voilà. Voilà. Capot ouvert. Et j'ai enlevé les plaques. Parce que, à mon avis, vous allez voir à l'envers. Parce que j'ai mis le téléphone comme ça. Parce que c'est mieux pour voir qu'est-ce que je faisais. Ce que je faisais, quoi. Voilà. Bon, on va aller l'essayer. Oui, on va respecter les limitations de vitesse. Parce que quand même. J'ai pas envie d'avoir les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que vous voyez bien quand même. Bon, c'est un essai vite fait. Hein. C'est pas, je vais pas faire tour du monde ou je vais pas faire comme GMK. J'ai mis le bord avec une 208 GT Line sans guiche rouge. Bon, on va en faire avec, tu vois ce que je veux dire. On va pas te dire, ceinture sécurité. Barre l'auto. Et c'est beau! Ah, du coup, désolé si vous m'entendez pas trop pendant ce temps-là que je vais rouler. Hein. C'est un essai que j'ai fait. Moi je tiens toujours le volant comme ça, c'est un truc, j'ai toujours le volant. Vous allez qu'à les voir sur Instagram. Je mets souvent des photos des volants que je prends comme ça. Et je prends toujours les photos comme ça avec ma maman. Franchement la conduite, moi j'adore. Par contre c'est léger comme voiture, parce qu'on a qu'à tourner sec un coup, à faible allure, l'arrière il va se lever. Derrière, t'as les petits verts. Ah, je sais pas si tu as.
voilà quoi. Non, franchement, c'est archi cool à rouler. Moi, je fais ça. Je pars en bas de la France avec ça. Après, faut pas être 50, comme je disais tout à l'heure. Bon, on va faire demi-tour. Je ne sais pas d'où. Oh, j'ai perdu mes clés. La présentation de ce jeune véhicule. Comme d'habitude, tu connais la musique. Hein. Lâche un pouce bleu, ça te donne toujours de la force, ça fait toujours plaisir. Et partage avec ouais, voilà, tes amis, hein, ta famille, hein, comme d'habitude. Hein. Puis abonne-toi, Narvalo. Il faut s'abonner, mon gamin. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner, comme ça, tu vois les contenus, tu vois ce qui arrive. En plus, je peux te promettre, mon copain. Je peux te promettre. Il va y avoir du nouveau qui va arriver. Je te le dis, moi. Abonne-toi surtout, ça donne de la force. Mets un bon commentaire ou un mauvais. Mets un commentaire. Ce que tu as pensé de la vidéo. Dis-moi ta critique. Si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Ce qui te plairait comme voiture quand tu commences en jeune permis. Voilà, etc. etc. Voilà. Je vous remercie de me suivre régulièrement. Enfin, régulièrement, même si je fais des vidéos tous les 6 mois. J'essaye de faire du contenu le plus possible. Suivez-moi sur YouTube, Instagram aussi. Mon Instagram, c'est le même nom que la chaîne, Full Car TV, en miniature tout collé. Et mon Snap, je mettrai en bas, hein. Comme d'habitude, c'est Johan du 761. Voilà. Si t'as aimé, n'hésite pas, hein, à me le dire en commentaire. Allez, salut!